Gros affrontement entre monsieur Genevieve et GPEP. Mesdames, messieurs, nous connaissons. J'ai une situation difficile déjà. Ça pas gagné pas profiter de l'image ça parce que ça me là c'est un bagage qui est compliqué. Si vous avez volonté pour comprendre, en grâce mettez corps à côté parce que ça prend le temps de la yo c'est bagage qui pour ronger là dans la coupe Port-au-Prince. Mesdames messieurs, ça fait quelque temps nous connaissons base monsieur Genevieve avec GPEP yo décidé toki konyo bagage ça qui engendre un pile gros problème, gros affrontement dans toute la coupe Port-au-Prince, des zones et coup, mesdames messieurs entre les centres-villes, les hommes de Bel Air et également de Timmy Cherizier et également mesdames messieurs les ceux de Iskar Junior et on série de l'autre nègre qui en dedans qui bataille avec monsieur Gabriel Yo. Bagay ça a vraiment compliqué. Plusieurs jeunes garçons perdu la vie yo bien que ou ta tête tout se remet c'est la donne ou mourir. Yo entré dans Fellobey. Jodi an pote pou yon paquet de détails plus que yon trentaine de moun perdu la vie yo. Parmi yon mesdames messieurs, yon dizaine d'innocents qui patnan yon ka passé normalement avi bal pété. Plusieurs moun pran bal. Ma bon paquet de détails, ou pral saisi tande comment bagay la passé pak an dan. T'assemblé, j'aime ap suivre la. Monsieur Genevieve yo pran pile kou hier soir et t'assemblé ti monsieur GPEP yo commencé envahi sur quelques terrains. Slogan c'est ti monsieur GPEP yo c'est la Russie. Bonjour bonsoir tout le monde gouvernouye. Est-ce que n'ap kembe? Est-ce que tout bagay en forme? Moi c'est nèg ka bon information. C'est moi qui fait causer ici quel que soit côté événement yem fouye jim antenne mal chita nan mitan yo pour aller chercher le pote pour vous. Jodi a c'est une édition spéciale dans ça qui a passé là dans la coupe Port-au-Prince. Avant m'aller, m'm quitte regarder cette vidéo ça. Oui. Sors au temps de là, sors au gade là, c'est l'image de Bel Air.
Mesdames, messieurs, gros bout de affrontement entre G9 et GPEP. En pile coule balle, t'as chanté. Donc, Konyo, il va la devine vraiment compliqué hier soir. Plusieurs citoyens dans la zone ça, te voyons appel secours en nous pour demander est-ce qu'on est capable d'aider à sortir dans la situation ça, surtout avec alerte que nous avons la police nationale d'Haïti. Mais tellement comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti, phénomène gangstérisation a dépassé la police, nous allons même prendre le soin pour nous faire plus de détails, mis à part le DDO qui nous a informé pour nous expliquer, mais qui misait. Haïtien passé là dans la coupe Port-au-Prince. Mesdames, messieurs, monsieur Genofio, nous connaissons ces derniers temps qui gagnait un slogan de mettez peuple dans assiette li. Ta comme quoi que yo pral faire de grands mouvements pour permettre que pa gen rien qui passe dans zone ça qui pa gen rapport avec yo même et si c'est eux même seulement qui dirige bloc ça yo, la vie a pral vraiment rose tant coup ancien mouché Mateli. Monsieur Sayo commence à toquer Konyo dans la guerre de l'information et ce qui pose de grands problèmes au sein de la République. Et il s'agit, mesdames, messieurs, de plusieurs comptes Facebook, Petite Brooklyn, Haïti Douvant et également, mesdames, messieurs, ceux des ISO, un paquet de nègres qui prend le soin à travers les plateformes en ligne pour envoyer des messages. M'a cité Boumdine, monsieur Brooklyn yo dit ok. Belle même moi, soleil là m'a pas cherché tête ghetto a pour me faire camper cap mourir. Rele ISO, ça c'est slogan monsieur. J'ai neuf yo mesdames messieurs qui lagué ça bien bonnet dans matin. Yo la grande série d'informations pour montrer yo même yo pile ouvant dans bataille ça. Quelques secondes pas passé, messieurs, j'ai peuple yo mesdames messieurs lagué pas yo tout. Slogan kounyan nous prend abri Genève yo nous pas bailler encore GPEP c'est la Russie. L'autre information si on mettait disponible sous compte encore c'est qui Jean Bloc est là semblé bagarre la pral compliqué bataille la sans camper n'a metté balle na dada si monsieur Genève yo vous avez pas le jeu pour me tout ça n'est yo posté pour nous. C'est parce que, mesdames, messieurs, en réalité, Haïti, en quelque sorte, assez souvent, nous trouvons nous sous l'emprise de gangs armés. Nous avons toujours pris le soin pour nous dire, nous, lors de fait nos zones, côté coco, nous avons un tempérament qui est bien paisible, et puis des trois petits malfrats sortis côté paillot, pour venir débloquer les zones, pour venir mettre les zones dans l'obéi pour nous, d'apparaître plus facile, assez souvent, pour des petites dans zone dans campé ou dit il y a déraciné mon grenier dans zone là. Ça arrivé dans plusieurs zones et ça m'a dit là m'a dit pour me voyer pièces haïtien monter mais m'a dit plutôt parce que Jean pays en campé Jean pays en bras là m'a posé tête mes questions si pour problème ça résoudre est-ce que c'est pas chaque zone qui va le besoin camper et l'aime dit camper à camper en zone blindée en zo de vent, en roulem de bord, en gros Vincent, en tsunami, où personne n'autre monde pas saute de yo, vin faire des autres dans la coupe. Pays d'Haïti tourné, yon te piégé, c'est comme quoi, pays d'Haïti ta gagné, yon jouman, li te bay, yon grandette, et grandette sa te décidé, maudit pays ça. Plusieurs zones dans la coupe Port-au-Prince, décidé di, yon pap ki te ti vole, ti malfra, vin pourison yo. Mais si la route est tant pourrie, ben elle a vraiment mélangé. Mais ces jeunes filles, mesdames, messieurs, ces derniers temps, décidé en quelque sorte, mettez en prison. Si nous avons cité l'expression tardive de ces groupes-là, donc il nous dit toujours que c'est pour capable libérer, ces, mesdames, messieurs, peuple-là par rapport avec difficulté la surmonter. Et il s'agit d'une révolution. De grande envergure, côté personne moun sous la terre ni pas capable de faire le même genre. Même dans les gens qui t'écoutent, t'as semblé moucher l'État, pas comprendre ce qui a passé dans le pays là. T'as semblé, monsieur Sayo, yo avec plus que moun qui pas même ouais. Pour que la République d'Haïti tourne, yon désert.
j'ai été informé d'un ami qui pas capable de travailler à la Cali par rapport avec zone pâle des hommes armés entrés vin bloqués et ou pas qu'à sortir. Est-ce que Kounyan nous pral obligé entrer mesdames messieurs dans logique comment dans logique brigade là et puis font brigade dans zone côté que brigade ça tout le monde pral obligé gon bagaille dans main yo et pour empêcher ti voler vini. Est-ce que c'est ça? Est-ce que si c'est ça qui arrive, est-ce qu'il a pour des solutions? Moi, ouais, je ne sais pas. Mais la seule chose, je suis sûr que Haïti n'a pas qu'à supporter encore. Parce qu'elle a compliqué pour eux. Jeune petite fille n'a pas qu'à travailler. Jeune petit garçon n'a pas qu'à travailler. Grand monde n'a pas qu'à loisir. Son pays qui vivre sans loisir. Je me pose la question, que font les Haïtiens en cette année? Qui ça a réglé? Qui ça a rejoint comme loisir, comme plaisir? Yo pa gen courant pour garder télé, yo pa gen loisir dans zone pa yo. Tout koto viré, c'est un problème. Comme disait Kirikou, c'est chaque zone qui obligé camper en zopleden. Sou pa vle jodi la, yo vin boule kayou ou obligé collaborer entre vous dans zone nan pour permettre que ti malfrat, ti volé, ti mordeur fouke, les petits voyous yon ba débarquer pour vin ba zone au problème. Je salue chacune des personnalités qui prend ses responsabilités pour permettre que zone paio pas compliqué, qui permettre que 10 11 heures du soir quand dans la rue dans zone où on t'a parlé avec nos amis ces derniers temps qu'a dit moi on pas songé depuis qu'il heure mesdames messieurs 6h50 prendre dans la rue et j'ai été en contact avec une personnalité dans petite zone dans pays d'Haïti dans commune Bétionville. Il dit, depuis 4 heures, je ne suis pas rentré là, c'est sûr que soit je suis monté dans l'autre zone, Péry, ville, l'autre côté, dormi, mais je ne suis pas rentré dans la zone. Qu'est-ce qui se passe? C'est une zone qui prend en otage par des nègres qui sortent de l'autre côté. Malheureusement, les gens ne viennent comprendre ça, mesdames, messieurs, c'est trop tard. Est-ce que le pays d'Haïti est capable de rester dans une situation comme ça? Est-ce que ces jeunes garçons sont obligés à chercher l'autre option? Dégradation. Nous sommes obligés à quitter le pays pour voir ce que ça nous a fait. Ça a passé entre les groupes armés maintenant. Qui ça l'État dit? Pour qui ça l'État choisir d'être en silence? Pour qui ça l'État admettre que c'est la bonne chose? Pour qui ça l'État croire que il doit faire silence même j'avais ma voix qui va gagner à ouais avec responsabilité pour résoudre le problème du pays? Donc, qui ça n'a fait? Ils en ont fait. Tel est le plan. Mon cher Ariel, t'as qu'on avec ce pouvoir, t'as qu'on son ex, c'est bâton que Namel, il va gagner que sérieux l'a fait. Et ça qui est terrible avec là, c'est parce qu'elle montre le plus pas comprendre que nous. En tout cas. Et pour faire libérer deux nègres qui ont deux trafiquants d'armes dans le pays, que des CVJ gagnent 10 et vous mettez Michel Bakon. Ce n'est pas avocat qui a arrêté, c'est conseiller qui est dans le cabinet ministre qui a arrêté. Clair sur ça. Donc, suspend à venir bluffer mon etc. parler français. Devinez qui si besoin bluffer mon les français ou râler. Ou pas y a tombé tout. Rivant les tombé bip dans parler vieux français marron. Devinez qui si besoin volant, c'est français ou râler. Bon bluffer. Tendez bien. Et en DDH, félicité travail de CVJ a fait normalement côté pays a li totalement gangsterisé pays a ganglé en DDH. Il dit son évidence tout le monde voit ça. Il dit gon trafic zam qui avec balle qui débarquait dans port de paix côté gen divers moun qui t'a impliqué là-dedans. Et trafic zam ça t'a semblé de gen gros l'argent qui t'a bail. Pourtant population haïtienne non pas suspendre compter cadavre ak subi loi pression nèg exam yo chaque jour. Eh ben bandi yo vin plus arrogant nan façon yo opérer sous tout territoire national là. RNDDH k'ap pale. RNDDH rappelé dans sens ça en 2018 de 2018 pour arriver jodi a sorti 2018 pour arriver aujourd'hui,
gen pou pipiti 16 massak et puis attaque nèg ak zam fè sou peyi a nan divers communes nan département l'ouest la. Deux derniers massacres, c'est dans plein de cul de sac, à Cité Soleil. Effectivement, sous zone bon repos, quoi des missions, quoi des bouquets, c'est pas deux, trois chrétiens vivants perdus la vie. Et puis Cité Soleil, et puis tout nèg fait silence. Gros massacre dans Cité Soleil. On divida le monde mourir. Tenez bien. Eh bien, massacre si la yo. Il a occasionné assassinat plus passé 500 haïtiens et haïtiennes. Et puis il a violé pour pipiti 18 femmes. Non seulement des massacres, il a violé femmes tout. Donc c'est ça nous connaît et ça fait dire pour pipiti au moins. Nous songez ça, au moins au plus. N'est qu'à parler français yo. Si m'invite au dans fête moi, nous vina au moins deux mon nous ka vina valorlé. Mais si m'dou vina au plus de, ou pas vina plus. Donc apprenne pas les français ou bien monsieur. Est-ce que nous comprenons? Tenez bien. D'après NDDH, il dit bon côté massacre sanglant si la yo, ak attaque sa yo, côté bilan lou en pile. Population par jambe suspend, subi, za fait kidnapping. Non seulement au kidnapper moun yo serré yon côté pour mande gros l'argent. Assassinat yo ciblé. Donc pa gen ken kotoye jodi a nan peyi a ou santou à l'abri. Et gen en pile de gars qui causé, gen en pile moun qui perdu la vie yo nan cadre massacre sa yo. Telus, en dedans votre fourmi a pour tout pour. Michel Bé, Teriel. Ou fait quoi? Les Teriel par les vagabonds paix. Que vagabond fait bub. Et en DDH continue à parler. Mon vont là, gagne l'autre bail pour de paix parce que c'est pas seulement et là, gagne Zamio pour de paix tout. Vous comprenez? Et gros Zamou, Zam fan froid qui était dans port de paix. Ouais, bon, regardez moi. Ouais, et ma ti bagay, non? Gros bagay la, port de paix, pa caisse, yon vini, pa caisse. Et pa caisse, gros caisse balle dans port de paix. Et pour qu'on y a nèg ap fè rara, parler français, ou y commissaire illégal, gen moun ki légal dans pays. Ah, yon pile nèg illégal qui a fonctionné dans le pays, des autres. On montre une pi bien. Pile tout caisse ça, c'est et balle qui la dan, oui. Plus de 120 000 cartouches débarquées non bâtiment, oui. Et m'a travaillé sur bord de paix, c'est m'gan pile information m'a compilé sur bord de paix. Attendez bien. Et NDDH dit que gagne un paquet de postes importants au niveau l'état. Un paquet moun occupé yo. Alors que moun sa yo pas ta innocent. Non ça va passer dans pays a. C'est une série de moun nou a cité bien fort. Nous avons fait trafic Zamak Bal sous pays d'Haïti. Tendez bien. D'après NDDH, il y a une saisie spectaculaire qui fait. Côté tout le monde a regardé, il est étonné, mais sur l'écran là. C'est yon a regardé là, c'est ça NDDH a parlé, mais sur l'écran là. Moun ki sur YouTube, Facebook. Tendez bien. Il dit que dans port de paix, NDDH a rappelé, dans date 1er juillet 2022 passé là, gon quantité zamak chargé bal qui débarqué mais là sur écran ou là moun qui sur YouTube Facebook qui débarqué 120 000 cartouches qui te vini pour paquet fusil d'assaut gros zam manche longue nan 157 caisses mais au sur écran là n'a regardé devant nous là et sac ti kozak tete ya yo te joine Zam sa yo kote agent douanier yo nan port de paix. Nan tête kole ak la police. Te jwenn zam ak bal sa yo. Nan bâtiment ki pote nom Miss Lily One. Zam sa yo tap soti sou Florida aux États-Unis. Même jour sa, soit 1er juillet 2022. Gen Fritz Jean Relus. Tende sa.
Fritz Jean Relus qui te gen pour mission pour recevoir un parti dans marchandise ici là. Tendez oui. Pour monsieur te vin porter bagay sa yo dans Port-au-Prince. Fritz marqué non ça. Et puis songe le moun bord de paix. Songe monsieur. M'a cherché image li pour nous. Parce que vagabond ça yo pa gen ken réserve pour nous faire bouyo. Tendez bien. Même joie, soit 1er juillet 2022. Eh ben, yo te mette en bas code. Fritz Jean Relus. Monsieur te gen pour responsabilité pour prendre un parti dans balak zam sa yo pour venir par Port-au-Prince. Le 5 juillet 2022, Batomis Lili yo fouyel net en présence propriétaire li, maître li c'est Jonas Georges. M'a rappelé Jonas Georges, ils sont citoyens américains. Qui donc, monsieur, sont haïtiens qui naturalisés. Tete kap parle avec pays. Pendant fouille là, Jonas Georges, monsieur, fâché. Attendez bien. Pour qui ça, monsieur, fâché? Tendez, oui, pays. Jonas Georges, d'après NDDH, monsieur, fâché, monsieur, mauvais. Pour qui ça? Monsieur mauvais, parce que monsieur fait qu'on est, c'est un coup, lui saisit, ouais, il a vint fouiller bâtiment, alors que, lui te payé directrice douane dans port de PA, Nadège Rebecca Etienne. Lui te payé suffisamment, lui te payé assez l'argent pour yon pas fouiller bâtiment là. Son pays difficile. Son pays difficile. Son pays difficile. Tenez bien, oui. Lè a fouye bâtiment. Met bâtiment te la Jonas Georges. Monsieur mauvais koukong. Parce que monsieur dit il te paye directrice douane nan gros l'argent pour te éviter embouteillage sa yo question vinn fouiller alors que le con elle-même il te paye pour passage bateau sans problème dans pays ya. Mais madame nan on tande n'a parlé ba cause crédit et madame nan ka connaît il a parlé de lui s'il va être caché Interpol prend responsabilité de CPJ Jérémy Bayo et ba il ka nan chaud il ka nan chaud parce que faut venir expliquer. NDDH parle, faut nous connaître parce que faut connaître ça va là et tendez bien la société. Donc monsieur mauvais parce que le deal te paye l'argent et bien même jour à Jonas yo t'a arrêté monsieur pour association malfaite et trafic illégal zam dans pays d'Haïti. Dans demain soit 6 juillet 2022 commissaire gouvernement bon montrer bon retourner sur yo pour nous ca songer figi ça yo. Allez son pays difficile. N'a pas payé en coûte, mais faut songer visage moun yo. Vagabond, ça va pas qu'un respect n'est pour yo. Faut songer au côté. Mais voilà. Faut songer visage yo. Vous comprenez, c'est madame ça traite Rebecca Etienne. Meni la sous écran. Madame ça. Directrice douane. C'est madame, c'est monsieur ça commissaire. Monsieur ça commissaire. Vous comprenez, commissaire Virgile. C'est monsieur. Faut garder image yo. Et pour nous connaître qui ça va là. OK, gardez image ou bien sur l'écran, faites screenshot pour nous ka songer tété parler de yo. Attendez bien. Eh ben commissaire gouvernement bon Port de Paix maître Michel Virgile que n'a pas gardé sur l'écran monsieur ordonné rapidement pour yo libérer monsieur Sayo Fritz Jean Relus qui lui-même te gen responsabilité pour prendre parti dans marchandise vinn porter Port-au-Prince et Jonas Georges qui se maître bâtiment Miss Lilia qui lui-même déclaré li pas à comprendre bazar c'est te bail l'argent pour pas fouiller bâtiment là. Tendez la société RNDDH qui a parlé et li m'a appelé pour RNDDH d'après information RNDDH joine libération monsieur Sayo il pas gratis. Eh hey, bah la mélanger. Il pas gratis tant de bâtisseur.
Martellus, en dedans votre fourmi a pour tout pou. Michel Bé, Teriel. Ou fait quoi? Le Teriel par les vagabonds paix, que vagabond fait bubu. Tant de causer PIA. D'après RNDDH, information li dit li qui rive dans bureau li, libération moun sa yo, li pa ton bagage gratis. Ta gon gros l'argent ki ta bay, ki ta plus passé $200,000 américains. Plus passé 200 000 dollars américains. D'après RNDDH, Réseau National Cap Défendre Douamounio. Tendez bien, Béia. D'après information RNDDH, t'as plus passé 200 000 dollars vêtements qui t'a quitté dans la rue pour te faciliter libération moun sa yo. D'après divers moun, RNDDH parle ak yo, gagnent plusieurs membres dans appareil judiciaire dans Port-au-Prince qui eux même tant de pays yo te arrosé. Nous sont jeunes nèg yo. Eh ben pour libération nèg ça ont fait. T'as gagné 200 plus passé 200 000 dollars vet qui t'es lagué dans la rue d'après information RDDH joint. Et t'as gagné un pile nèg dans appareil judiciaire là n'importe au prince qui pas innocent. Et c'est pas pour sans raison monsieur Sorwe qui en bas code là, monsieur son avocat, monsieur a travaillé comme conseiller dans cabinet le ministre de la justice Berthaud Orsay. Monsieur Rélie Robinson Pierre-Louis. Rete branché radio, rete branché YouTube, Facebook, Tikozak, Tete Trip Fumi Info. Tendez ça la société. 12 juillet 2022. Commissaire gouvernement Port-de-Paix, magistrat Michel Virgile. Yo arrêté monsieur. Après quelques temps après arrestation monsieur, RNDDH informé tribunal première instance Port-de-Paix magistrat Yves Marie Périclès sans que li pat recevoir aucune enquête dans son ça ça va bien aucun procès verbal constat yon juge de paix li fait vite pour rendre une ordonnance qui mande libération en habeas corpus en faveur commissaire Michel Virgile. Ordonnance ça, yo te acheminé li. Eh ben, by magistrat Michel Virgile, cependant, agent de police yo qui était là, eh ben, yo pas capable faire suite à l'ordonnance là. À raison que les alte trop tard. Et puis dans la nuit là, magistrat Michel Virgile yo rapidement transféré monsieur dans Port-au-Prince. Et donc cool, même dès que t'en parler avec pays. Parce que me dit non, c'est pas contre nous gain avec monde. Son petit coup de main à la République. Yo arrête ton nèg pour mauvaise affaire comme son nèg comme ça qui important pour la justice. Qu'on y a arrêté et puis deux trois avocats al fait pression ou un commissaire ça te fait bail et ordonnance là. Son commissaire pour t'a mettre ton côté pour machine pas frapper. Et m'a demandé ministre justice la prendre responsabilité. Et bah, et pas des autres d'avin fait. Ou pas on nèg là avant hier là. Et nèg ça me parlé nous qui libérer un bandit dans pour nèg ça vient qui libérer bandit là. Et comme monsieur le maître sauveur, et maître sauveur oui. Et non verrait yo le monsieur maître sauveur, un souverain. Et monsieur le souverain vérissin. Et dans l'ancien marqué comme ça relèl, maintenant pour dans verrait yo le monsieur maître sauveur, monsieur libère un bandit. Et puis ministre justice là qui est en gérer bah là rapidement. Monsieur son nèg là de sens perdu poste li. Eh par contre nous gars, on tendez bien. Eh ben yo t'ai rapidement transféré monsieur Virgile hein non DCPJ. DCPJ fait travail. Ministre justice là, sécurité publique là. Eh ben monsieur lui-même
li pat épanier dans scandale ça. Et RNDDH, eh ben gagné pour preuve. Yon mandat d'amener interdiction de départ avis de recherche qui mettait contre maître Fritz Aubourg qui c'est directeur attendez oui ministère de la justice par des paniers. Bah dit ministre là alors attendez mon cher dit ministère de la justice par des paniers parce que chargé mauvais dans ministère qui t'a impliqué dans mauvais tu as chargé mettre là dans cage oui. Si nous monsieur nèg avocat ou le cas par exemple ça dit si on était en parler bah là maître Robinson dans cage oui qu'on a la parole dit qu'on y a bon bluffer à pas mettre Fritz Aubourg monsieur dans cage. Eh bien, s'il pas gagne au reproche pour ça dans caché. Pas dans caché, kounya on négui. Bon dit qui est monsieur? Fritz Aubourg, tendez qui est lié? Directeur adjoint des affaires judiciaires pour forfaiture. Bon on nèg dans niveau ça oui. Pour non impliqué dans question trafic zam dans pays d'Haïti. Nous pas mêlé? Eh mêlé. Telus, en dedans vente fourmi à pour tout pour. Michel Bé, Teriel. Ou fait quoi? Le Teriel par les vagabonds paix. Que vagabond fait bub. Non, Emeline, mêlé. Prenne. Pour nèg nan niveau ça, oui. Kounya ouè, bi avocat vin faire rara, monsieur. Kounya ça abdi là. Kounya lè ou fouke Fritz Aubourg. N'a vin faire rara, non? Mam di non. Non, comme ouè gen nèg la kap cherche, kriye don ou sou mwen. Continue parler. Ma travail moi-même. Tenez bien. Eh bien, oui, yon a bousqué mettre là pour association malfaite. Et puis, dans la date 22 juillet 2022, incroyablement vrai, monsieur, n'a pas regardé sur l'écran là, maître Robinson Pierre-Louis, yon a arrêté monsieur. Alors que, tenez, oui, bien, y'a. Monsieur, c'est avocat Jonas George. Et c'est membre cabinet ministre là. Maître Berthaud d'Orsay. Est-ce que nous avons des autres là? Ça veut dire que, mes nègres avocats qui viennent de parler en pile là, oui. Ça veut dire, côté monsieur y est pas de prince là. Alors, monsieur, vous avez membre dans le cabinet qui porte de paix. C'est avocat Jonas George lié qui est propriétaire de toi. Miss Lily. Alors que monsieur dans cabinet ministre justice là. Maître Robinson Pierre-Louis. Ça dit c'est sous pression monsieur qui fait commissaire gouvernement libérer Jonas. Ah bah yo parler. Bah yo parler pays. Bah yo parler attendez oui. Donc attendez bien pays. Maître Fritz Aubourg et Robinson Pierre-Louis n'ayote mette tout proie dans balance là pour te joindre libération Fritz Jean Relus et puis Jonas George. Même de ka réfléchir ça. Donc, RNDDH dit que faut nous souligner là au découvrir Zamak Bal si la yo côté que l'église catho-épiscopale d'Haïti. Yo pointé au du droit, yo t'allongé droite sous yo tout. Donc gen enquête qui continue à mener. Et RNDDH jodi a li dit li constaté état pourri situation sécuritaire dans pays d'Haïti. Li exige pour lumière faite sous affaire trafic illégal zam sa yo k'ap fait dans pays ak bal. Dans ce sens, RNDDH encourage le DCPJ pour continuer à mener investigation sur le crime financier, ça, le blanchiment d'argent qui lié directement à trafic d'Zam. RNDDH rappelé, cependant, le DCPJ obligation constitutionnelle que le gagne pour mener investigation dans le respect droit à garantie judiciaire. Et surtout dans affaire dignité moun. Ah, bon, gale prisonnier kap souffri là. Nèg sa yo, si yo te respecte dignité yo, Pierre, et pas là yo tabye, non, papa. Ça dit, c'est nèg qui ben gros l'argent,
Parce que l'ordre de $200,000 avec bail et c'est avocat monsieur yé. Ça dit maître Robinson Pierre Louis monsieur pas innocent dans bagarre là. Il y a des détails faut connaître et sous c'est sous ta avocat Jonas. Et puis rapidement Jonas libéré maître Mich parce que qui s'arrivé maître Michel Virgile monsieur dit il pas prend prison pour contre lui. Monsieur dit le pape prend prison pour contre lui. Et puis nèg ministère justice là tête en bas. Tête en bas. Donc RNDDH dit que li camper bon côté population pour que toute lumière faite sous dossier si là. Tendez bien ya. Qui ça qui rivé au juste? Mais maître Robinson Bialoui. Et c'est ça me te dit tout à l'heure sous note ba au Port-au-Prince là. Dans notre salle à regarder sur l'écran, au Port-au-Prince, là, il mettait de yon en signe de solidarité, bon, qui normal, avec arrestation que vous estimez qui est illégal, alors que même yon illégal, eh bien, bon, bah, qui attire attention là-dedans, sous café zoom sous image l'enfer. Et puis al gade quatrième paragraphe là. Ça son légèreté ba ou a fait. Ça dit nèg sa yo ka pran pose yo gros avocat vin critiquer m sou réseau. Nèg sa yo. Ça blem ka fè coup pou yo. Tande bien. On ben nèg m ka critiquer m ka voye flèche sou moi sou réseau. DCPJ arrêt ton nèg et mon ti avocat besoin faire non c'est moi l'attaquer. Elle hyper DCPJ ou nèg ici sadique. Tande bien. Dans quatrième paragraphe là tande ça yo dit. Le conseil de l'ordre reste perplexe face à la célérité avec laquelle les autorités policières ont conduit une quelconque investigation. Hadi Webawa l'a craché sous travail de CPJ. Bah au Port-au-Prince, m'saisi vous bâtonnier oui, Marie-Suzy Legault. Madame Marie-Suzy Legault, m'saisi pour vous faire honte oui. Non faire honte. Vous faire honte. Parce que, bon, m'dis ou, fais zoom sur image là et puis li avec quatrième paragraphe, barreau Port-au-Prince, tout gros avocat a parlé français, dis-moi ça, nous comprenons là. Tenez ça, yo dit que le conseil de l'ordre reste perplexe face à la célérité. On va y passer le 1er juillet. Yo arrête ton nèg presque un mois après, oui. Et puis yo abdou célérité. Est-ce qu'on a une enquête qui t'a mené, hein? Eh bien, n'a pas getan. Mes amis, bay pays a une chance tande. Bay pays a une chance tande mes amis la société. Bay pays d'Haïti a une chance. Bon, bay té ton chance. Parce que on prend trop risque. Bon man chance, bon mon chance quitter de ce pays va travailler. Tendez bien. Yo dit le conseil de l'ordre reste en perplexe face à la célérité avec laquelle les autorités policières ont conduit une quelconque investigation jusqu'à l'arrestation de maître Robinson Pierre-Louis. Alors que, mais légèreté plus grave, alors que l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier Dorval continue à stagner dans les tiroirs des autorités. Mes amis, on a besoin de tenter réparer dans ce qui est bagarre sans se prononcer, etc. Pour l'instant, sur le fondement de l'arrestation. Eh bien, tendez bien, Madame Suzy, faut gagner information. Information à Bali. Ou pas, m'sot dit ça, information NDA jeune là. Maître Robinson, c'est avocat Jonas. Jonas, c'est propriétaire bâtiment, t'es poté plus passé 120 000 cartouches. A kon dividal, gros am manche long sous pays ya. Jonas dit que te bay $200,000 avec. Gros l'argent te bay. Gros l'argent ta bay. Pour que bâtiment pas te fouiller. Et Jonas qui te bay l'argent non? Et je dis bay gros l'argent. Mais il a dit gen plus passé $200,000 avec qui bay. Pour deux nèg yo libéré pour yo libérer. Et qui est yo? Youn qui te gen responsabilité pour distribuer un parti dans Zamyo. Et puis l'autre là, c'est propriétaire bâtiment.
Ça dit avant qu'on revienne sorti note, faut aller chercher mener investigation par nous parallèle comme professionnel. Ça veut dire qui ça? Dans le quatrième paragraphe note là, c'est comme quoi ba wa vle di pays a. Même si aucun bon nèg nan volo, même s'il nan touye moun, même si yo mené enquête yo joine celui même qui nan gang qui a financé G9, GPEP, 400 Marozo, etc. Tila Blizo, même si yo joine ni depuis ces avocats lié, quitte le tranquille, tout autant yo pas qu'on jamais abouti ak enquête sur assassinat Mette Doval là. Ah, bah yo en pile. Priez pour Haïti tande. Votre fourmi a pour tout pour. Fais-le, Teriel. Ou fais quoi? Le Teriel par les vagabonds paix. Que vagabond fait bubu. Moi dis. Jabas. Yeah. Jébéla. Yeah. Société me fait ma vie comme si me tâchais. J'aime posséder ça pas même con. Yo fais m'raillir tout ça qui bon. Fais m'pousser t'es ta coup scorpion. Pas qu'à vivre avec frem. M'ba remé sem. Yo déjoué moi. La société complice dans chagrin. Échec moins bon.